Salut à tous, c'est Mister Sponge. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle aventure vidéoludique. Il s'agit cette fois-ci donc de Missing, an interactive thriller, avec mon accent absolument roast beef, absolument horrible. Je sais même pas si vous avez compris le titre. Et donc, on se retrouve sur ce jeu qui est un petit jeu que j'ai trouvé sur Steam, un peu en farfouillant, qui est à 4€ actuellement et il est découpé en épisodes. Là, c'est l'épisode 1, c'est le chapitre 1. Et donc, en fait, d'après ce que j'en ai compris, sur les images que je vois, donc on est bloqué dans une cave, je sais pas vraiment ce qui va se passer. Je fais le jeu en live, hein, comme d'habitude, les horaires de live sont indiqués à chaque fois dans la description, donc n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo. Et puis on va directement se lancer dans le truc. Alors c'est vraiment un jeu photoréaliste dans le sens où c'est des personnages qui sont filmés pour interagir en jeu. Voilà. Allez, c'est parti, on se lance dans l'aventure. Le jeu est en français, mais les voix sont en anglais, d'après ce que j'ai compris. Ok, lendemain de cuite. Alors, aussi, petite parenthèse encore, je suis malade, donc je peux parler peut-être un peu du nez. Mais bon, voilà, je vais vous laisser un peu la cinématique, et puis on reparlera après. Ok, et donc, comme dit, c'est une histoire interactive, donc c'est-à-dire que vous devez appuyer au bon moment, au bon endroit. Donc là, par exemple, voilà, je suis attaché en mode bien SM dans une cave, je sais pas trop ce que j'ai fait hier soir, et je pense que le but, hein, c'est quand même assez explicite, on va essayer de se libérer contre le psychopathe, on dirait, de Saw 4, en fait, c'est complètement ça. On va jouer à un jeu. Donc direct, là, il y a la clé qui nous nargue pour les menottes. Est-ce que je peux la récupérer ? Forcément, espèce de bâtard, il me l'a mis devant ma gueule, mais genre devant ma putain de gueule. Oh putain. Ah, il est fort le mec, hein. Ok, donc cette clé, je ne peux pas l'avoir. Qu'est-ce que c'est? Ah, oh putain. Si vous me connaissez, je pense que vous savez à peu près la galère que j'ai pour les ennemis. Alors je suppose qu'il faut caler celui-là là. Putain. Hey, je suis un pro ou pas? Ok, maintenant chope la clé avec ton autre main, vas-y. Ok, bah maintenant, comment est-ce qu'on interagit? Alors attendez, j'ai un inventaire. Ok, je peux glisser. Nickel. Ok. Premier truc. Allez. Il a même pas regardé si ça se trouve c'était une taille de vodka en fait. Et du coup on est beurré. Ok. Is anybody out there? Let me out! Come on! Let me out! Ok. Ok. Putain, attends, mais ça bouge, ça? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ça bouge? Ouais, non, c'est méga sombre. Attends. Alors, les voix sont en anglais, comme je l'ai dit, Antoine. Les voix sont en anglais, mais il y a des sous-titres.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce casier? Oh putain, attendez. Attendez, je crois. Effectivement, c'est que des énigmes, ça va pas me plaire. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, une lampe de poche, ça va pouvoir m'éclairer à gauche. On revient en arrière. Oh putain, mais j'aime pas du tout ça, je suis sûr que je vais avoir une tête de mec quelque part. Un tampon. Excusez-moi, madame? Une coupure de journal. Sur le manteau, il y a un papier dans l'autre poche. Ah, j'ai oublié quelque chose au niveau du manteau, on m'a dit. Est-ce que je peux... Oh, je peux bouger ça, attendez. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas le prendre. En fait, je comprends pas trop où on est. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, attendez. On m'a dit dans le manteau, il y avait un papier dans l'autre. Ah oui, effectivement, je l'avais pas vu. Est-ce que je peux les combiner? Comment est-ce que... Je peux pas les combiner. Là, il y a encore un papier. Toi, c'est cache-cache le truc, quoi. Le code du casier. À gauche. Alors, on me dit... Attendez. On m'a dit le code de casier dans la salle sombre, les notes de musique, c'est le code du casier. Ah mais oui! Alors attendez. Oui, effectivement, bien joué, très très bien joué. Heureusement que j'ai le live avec moi. Je vais me le noter. C'est très très bien joué. Alors donc, milieu, haut, bas, bas, milieu. D'accord, c'est noté. On va revenir en arrière. Putain, heureusement que j'ai... C'est le Konami code en fait. Milieu, haut, bas, bas. Voilà, nickel. Ok, alors attendez, maintenant je vais essayer de compléter. Tac. Attendez, est-ce que ça va là normalement? Ouais, c'est là. Donc il me manque encore un peu des pièces. J'ai cru en avoir vu dans le casier là. Hop. Encore un petit bout répugnant. À droite du casier. Ah oui, mais il faut avoir. Heureusement que j'ai le live avec moi, hein, comme dit, parce qu'il faut vraiment être super. Super dedans, quoi. Upset, ça veut dire bouleversé, il me semble. Alors, pour traduire, donc ça c'est répugnant, malheureux, terrible et bouleversé. Et en quoi ça va m'aider? Alors attendez, en fait c'est que des mots négatifs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour moi dans le casier? Non, j'ai pas l'impression. Le cadenas, j'ai pas regardé. Ah, ok, d'accord, donc. Si je prends les premières lettres de chaque mot, donc j'ai répugnant. Alors après c'était quoi? C'était unhappy. Donc un U. Pardon, je l'ai pris à l'envers du coup. Non, c'était pas unhappy? Non, attendez, il y a un mot de trop. Juste regarder à nouveau les lettres. Il y a 4 mots. Mais il y a 5 lettres. Juste me noter les mots pour pas les oublier. Donc répugnant, unhappy, terrible. Heureusement que j'ai le chat qui m'aide à côté parce que c'est... J'adore ce genre de jeu, honnêtement, j'aime beaucoup ce genre de jeu vraiment interactif. On est vraiment pris dans le truc.
Upset, c'est le seul mot de 5 lettres. Ah! On tient peut-être quelque chose. Alors attendez. Upset. Un P, il me faut un P. J'ai pas de P. Non, ce n'est pas ça. J'ai pas de P. Donc attendez, si on réfléchit. On a donc. On aurait un R là. Attendez, je retrouve. À moins. Non, dans les deux cas, ça marchera pas. Réfléchissons. RTUU, on me dit. Je n'ai pas de T sur ce cadenas. Alors là, attendez, là c'est que le début. Là aussi, ça c'est la fin de l'alphabet. Je vais regarder à nouveau ce journal là parce que il y a quelque chose. Là, je ne peux pas regarder. Alors attendez, on peut. Agressif, bitter, blast, panique peut-être. Non, panique ça. Alors attendez, peut-être qu'en fait avec ces 4 mots on peut en faire un cinquième qui reprenne qui est les mêmes lettres, pardon. La deuxième lettre est au début de l'alphabet. Ah ouais, il y a Powerless. Powerless qui est là. Oh, attendez, à moins que. Et ça, imaginez, c'est. Oh, j'ai peut-être. En fait, il faut cocher tous les mots et les lettres restantes vont trouver le mot qu'il nous faut. Oh là là! Attendez, du coup, ça veut dire qu'il faut que je me refasse la grille, vous êtes sérieux? Attendez, j'espère que, ça soit... que c'est pas ça. Parce que, en fait, si ça se trouve, il faut en fait compléter la grille. Oui, il faut compléter la grille, les amis. Il faut compléter la grille. Regardez, j'ai le stylo. Il faut compléter la grille. Allez, c'est parti. Alors, Powerless, j'ai là. Putain, il faut compléter. Eh, c'est génial. C'est génial. Alors, attends, du coup, j'ai fait Powerless. Powerless, c'est bon. Panique. Alors, du coup, hein, je vous laisse aussi un peu regarder sur le live. Panique, j'ai là. Pained, j'avais vu Pained là. Nervous. Hateful. Putain, c'est que des mots un peu méchants. Alors, juste, je résume un peu. On était dans une cave, accroché, là, on est en train de faire des mots croisés. Hein. Pas de problème. Lost. Bitter. Nervous, sixième ligne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nervous, c'est effectivement bien joué. Misérable. Ashamed, putain, lui il fallait voir. Hein. Ashamed, putain, il fallait voir lui. Hein. Tout à gauche, du bas vers le haut. Disappointed, bien joué. Enrage, hostile, agressive. On me dit agressive en bas à droite vers le haut. Bien joué, agressive. Encore un, donc Infuriate. Je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Il est là. On l'a.
pardon. Infuriated. Voilà. Ok, et donc. Et donc, avec les lettres qui restent, on doit trouver un mot en 5 lettres. Alors, donc on a S, on a A, on a R. Est-ce que quelqu'un peut marquer toutes les lettres sur le chat? A, H, I. Donc c'est S, A, R, A, H, I, S, T, H, E, K, E. Y. The Key. Sarah is the key. Sarah is the key. De haut en bas, ça fait Sarah is the key. Sarah est la clé. Putain, mais c'est génial! Sarah est la clé. Donc c'est Sarah. Allez! Ok, il y a un téléphone qui sonne. J'aime pas quand les téléphones ils sonnent dans les jeux comme ça. Ça veut rien dire. Généralement, tu le décroches, c'est fait, on va jouer à un jeu. C'est le téléphone rouge. Qu'est-ce qui se passe ici? Évitez! Oh putain! Ah ok, c'était un point and click. Enfin, c'était un QTE, pardon. Ok, putain, ça va sauter. Oh non, mince! Un flashback où on incarne quelqu'un d'autre? War. C'est quoi ce qui te... Genre, je l'aurais loupé, il l'aurait pas bu, il l'aurait reposé, tu vois. Le détective qui te cherche. Ah, possible. Ça, il est stylé, le détective, hein, quand même. Ok, c'est parti, on est à nouveau dans le game. Alors ne me dites pas que je vais ouvrir le coffre et qu'il va y avoir quelqu'un dedans. Non, c'est bon. Ok, c'est un mec de la police, je pense, ouais. Alors ne me dites pas que c'est sur une scène de crime qu'on va, là. Ah putain, je crois que c'est une scène de crime. Detective Lambert? Baisse-toi et tous. Touche rectal. The vehicle is registered to Newcastle Construction. Did you find anything? Signs of struggle, so I called it in. Good. Ok, là il y a du verre. Donc on a brisé cette vitre. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire parce que là... Ah, peut-être qu'il faut genre faire comme dans les experts, approcher avec la lampe torche. J'ai pas assez vu les experts pour ça. Ok. Il y a un truc à l'arrière là. Il y a un sac ou un vêtement.
La vitre est brisée. Il y a un plan de bâtiment. Comment ça se fait qu'il y ait du verre au milieu de la voiture avec la vitre à... Alors, on va faire un petit truc, si jamais on peut regarder. Il y a un truc tout con qui est vachement censé en fait pour savoir s'il y avait quelqu'un, qui était dans la voiture en fait. Grosso modo, vous voyez, donc la manière de savoir, c'est si jamais... Ouais, il y a des éclats de verre, c'est-à-dire que là, il n'y avait personne. Si jamais il n'y avait pas eu d'éclats de verre alors que tout autour, il y en avait, c'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un en mode passager. Mais je comprends pas un truc. C'est pourquoi exploser cette vitre... Je m'excuse pour le téléphone. Pourquoi exploser cette vitre? On a cassé la vitre de l'intérieur, on me dit dans le chat. Est-ce que tu en es sûr? Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire la supposition suivante. Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait cassé cette vitre au lieu de casser celle-là du côté conducteur? Attendez. Ah, trop bien en plus avec les... regardez, il y a le reflet. C'est trop bien. Il a plus d'éclats par terre que dans la voiture. Oh, très très bien raisonné ça, Miss. Ça veut dire qu'en clair, quelqu'un a essayé de s'échapper par la fenêtre. Mais pourquoi? Parce que la portière, si la personne était dans la voiture à la base, il aurait pu ouvrir la portière. Pourquoi briser la vitre? Pour choper des plans. Alors attendez... Parce qu'en fait, on a deux raisonnements là qui s'opposent. On a le raisonnement, soit c'est quelqu'un qui était dans la voiture, qui a brisé la voiture vers l'extérieur pour sortir. Mais dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas simplement ouvert la porte puisqu'il était à l'intérieur de la voiture? Si les portes étaient bloquées, peut-être. On ne sait pas. Ou alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a brisé la vitre pour choper les plans. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, ça tombe à l'eau puisque les plans sont toujours là. Mais il a fouillé dans la boîte à gants. Pourquoi est-ce qu'il a fouillé dans la boîte à gants? Il y a la même photo de famille qu'on a vue dans le... C'est la même photo de famille qu'il y avait sur la porte. Ouais, on est le détective qui doit retrouver du coup le type qu'on a incarné au début. Ok, et ben on va s'arrêter là pour ce premier épisode de YouTube. Le live va continuer hein, pour ceux qui le sont. Et ben ça promet vraiment super quoi. L'ambiance est absolument géniale. J'ai des frissons mais tout le temps. En plus c'est vraiment super interactif. On peut échanger vraiment facilement, notamment avec le live. Je trouve ça vraiment super. C'est vraiment intéressant comme début de jeu. Donc j'ai hâte de continuer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un like, un commentaire et à partager la vidéo. Ciao tout le monde, portez-vous bien.